Alors sur ce panneau, il est écrit que le temple fut édifié en 1920 en hommage à l'empereur Meiji et à sa femme Shoken. Là, il y a écrit Shoken, tu vois, Shoken. Et ils disent également que c'est un endroit prisé des photographes pour les mariages, et ainsi que tous les vlogueurs, globetrotters, qui font des vidéos sur Internet. Il paraît que ça cartonnera sur YouTube. C'est fou, quoi. Alors, ce que vous voyez ici, là, c'est des fûts de saké. Parce que l'empereur Meiji, il adorait le saké, et je crois qu'il avait ouvert une entreprise de saké. Mais il s'est pas arrêté là, l'empereur, tu vois. Il s'est dit, j'aime aussi le vin. Et j'aime le vin blanc. Alors du coup, il s'est mis à exporter du pinard, tu vois. Et tous les barils qu'il a pu exporter, ils lui ont été ramenés et il les a exposés ici, juste avant l'entrée du temple, que les gens ils sachent bien qu'ici, on boit pas de la limonade. Meiji est en travaux en ce moment, il est en rénovation, mais les Japonais ont eu l'intelligence de nous mettre une jolie photo sur le temple, hein, pour nous montrer à quoi ça ressemblera ou ça a ressemblé. À savoir, c'est que c'est totalement gratuit ce temple. Tu ne payes rien. C'est le petit bon plan. Temple Meiji Jingu, gratuit. Alors en face de moi, là-bas, au bout de la rue, je sais pas si vous la voyez, bah, cette grande tour, c'est la mairie de Tokyo. Et vous savez quoi, dans les bons plans gratuits, on peut monter jusqu'au sommet. Et plus je m'en rapproche des buildings, donc à mon avis, c'est que je suis dans la bonne direction. Une fois que vous arrivez en haut de la mairie de Tokyo, au 45e étage, c'est là que vous vous rendez vraiment compte de l'immensité de cette ville. Il faut savoir que Tokyo, elle a été détruite plusieurs fois. Elle a été détruite par les tremblements de terre. Elle a été détruite pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y a énormément de quartiers qui ont été bombardés. Elle a toujours su renaître de ses cendres. Et c'est pour ça qu'on l'appelle la ville Phoenix. À Tokyo sans vous montrer la Tokyo Tower quand même, ça aurait été dommage. C'est comme quelqu'un qui viendrait à Paris en vacances et qui n'irait pas voir la Tour Eiffel. Bon, on l'a vu, hein, ça fait plaisir. Alors aujourd'hui je suis à Akihabara, au nord de la ville. Il faut savoir que Akihabara, c'est le point de départ de la Tokyo futuriste. Ici, ils viennent trouver tout ce qui va être manga, tout ce qui va être jeux vidéo. C'est le paradis des geeks. Thank you.
la suite des cafés atypiques. Je vous amène dans un. Alors là, celui-ci, il est très particulier. Alors normalement, on n'a pas le droit de filmer. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire genre, je prends des photos. Thank you. Okay, please tell me again your name. Tariki. Tariki? Tariki. Oh, your real name? Yeah. Hey, where are you from? France. France? Yeah. My name is Kashima. Kashima. Nice Kashima. To meet you. Yes, nice to meet you. Nice to meet you, Kashima. Donc il y a quelques touristes, mais c'est vrai que la plupart du temps c'est des Japonais, et c'est souvent des Japonais tout seuls. C'est, comment dirais-je, c'est un peu les otaku qui vivent dans un monde parallèle et qui viennent chercher ici un peu de tendresse et un peu d'amour auprès de leur fantasme mangatique, je sais pas si ça se dit, mais je le dis quand même. C'est une ambiance un peu spéciale, on a l'impression d'être dans une bande dessinée. Tu vois, les mecs partent discrètement avec les gonzesses dans un coin, ils ont le droit de discuter un peu avec elles. En tout cas, dans la série des cafés insolites, là, je vous donne le high level. Hein. Thanks. Shaker. Yeah, so I'm going to shake up the drink now. Okay. I'm going to shake it and I'm going to say cute things. Please repeat after me. Okay. Okay. And then we're going to do a cute pose. It's absolutely delicious. Yeah. Yeah. I want my shaker. Oh, give me. Okay. Give me. One, two, three. Friggy, friggy. Shut up. My. Ching, ching. Ching, ching. Yang, yang. Yang, yang. Yang, yang. Kira, kira. Kira, kira. Oishikunare. 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 Yeah. After, you're welcome. Oh, sorry. Yellow. Yeah, yellow is good. Thank you. Arigato. And please, extra delicious. I'm going to cast a magical spell and fill it with love. Okay. Okay. Make a heart shape. I'm a heart shape. Okay. Moe, moe, kyu. Moe, moe, kyu. Yeah, ready? Now together. Go one, two, three. Moe, moe, kyu. C'est un délire. Ça m'a fait faire n'importe quoi. Je crois que là on a fait le tour des restaurants insolites à Tokyo. Hein. Je crois que là je peux plus quoi. Je vous ai donné tout ce que j'avais dans le ventre. Bon bah j'ai eu le droit à ma petite photo hein, vu que je l'ai faite. Alors là, je suis arrivé dans mon hôtel capsule à Tsukuchi et ça m'a l'air d'être pas mal du tout. Waouh, la classe! T'appuies sur un petit bouton, la lumière s'allume. Là, je vais bien dormir, je vous dirai à la taille du matelas. Hey, le top. Et la télé, elle est... Ah oh ouais, balèze la télé, regarde la télé. Et franchement, archi bien. C'est propre. C'est stylé. J'adore. Juste une petite précision, c'est que tout comme moi, t'as décidé de voyager à Tokyo et d'économiser sur les hôtels et de prendre l'option hôtel capsule, je vais te donner un petit conseil. Ne t'encombre pas avec une trousse de toilette chargé. Dans la salle de bain, tu vas avoir le droit à shampoing, gel douche, donc ne t'encombre pas avec ça dans ton sac, ça ne sert à rien. Ça ? Attends, je t'entends pas là. Tu m'as dit quoi ? Non, j'ai pas ramené mon séchoir, ça c'est le séchoir de l'hôtel. Ah si, je t'assure, c'est le séchoir de l'hôtel. On va ramener le mien. Et quand je te dis qu'il y a tous les équipements, la preuve, tu peux même laver ton linge.
T'inquiète pas, la machine à laver, elle est là, elle t'attend. Mon chéri, il y a tout. Même le dentifrice et la brosse à dents, t'as tout. Tout. Ne prends rien. Aside from my soul,